C'est l'instant pour cette quatrième course, 1200 mètres à parcourir. Arthur Ferland, comme pressenti, a pris l'avantage avec le numéro... Victor Ferland, pardon, avec le numéro 3, Bruno Accord, qui vient s'installer aux avant-postes avec en deuxième position la Kazakh Evan, qui est donc tout près avec ce numéro 4, Oh My Day, qui vient en contact un petit peu plus loin. Il y a des concurrents comme le numéro 1, Corona des Valons, qui se retrouve à l'arrière-garde en compagnie encore du numéro 2, Lutèce les Valons, direction comme ça, la ligne d'en face. Avec le numéro 3, Bon Le Hogcorn, quel avantage la famille Ferland, tête et corne avec en deuxième position la Kazakh, la rouge et noire, non pas celle de Jeanne Masse, mais celle de Richard Evan, qui vient avec Oh My Day tout près. Il y a encore un petit peu plus loin la candidature, notamment du numéro 1 qui se rapproche maintenant, Corona des Valons, qui se retrouve maintenant pratiquement aux avant-postes, alors qu'un petit peu plus loin galope notamment le numéro 5, Merle William. L'entrée de la dernière ligne droite avec le numéro 1 qui du Diablo Vert tente maintenant de prendre l'avantage à l'extérieur. Lord William qui termine en avançant. Lord William de plus en plus vite avec le numéro 3, Paul Le Morgacorn qui tente de repartir. Avec également le numéro 4, Maïdé qui est en léger retrait. Trois concurrents qui s'apprêtent à lutter pour la victoire avec le numéro 1 qui est dominé pour la victoire à l'extérieur. Le numéro 5, Lord William qui termine de mieux en mieux, mais pas aussi vite finalement. Le numéro 7 qui est à l'extérieur, Jubilé des Valons, tente de prendre l'avantage et Jubilé des Valons va s'imposer ici devant le numéro 5, Lord William, la troisième pour la Corona des Valons, la quatrième où disputer. Il y a le numéro 8 qui est à l'extérieur, a fini vite aux côtés de l'Étoile des Valons.